Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 206 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Asterix and the Great Rescue sur Mega Drive. Donc c'est parti pour ce jeu. Alors bon, c'est un petit peu lent, allez, c'est gars, un petit personnalisation Asterix à côté. Caractères ou putain, c'est en anglais ou quoi? 2003, les éditions Albert René. Ah ben ça c'est non, c'est en français évidemment. Mais le petit produit manufacturé d'un licence machin. Ça a l'air bien en anglais. Ah ben non, on peut choisir la langue, c'est bon, nickel, on va se faire en français Asterix and the Great Rescue. Alors commencer ou option, on va commencer une nouvelle partie de ce jeu qu'on annonce pas tellement top. Ce que j'en avais pu en entendre, il était un peu moisi, mais on va le tester. En 50 avant Jésus-Christ, la Gaule est entièrement occupée par les Romains. Enfin presque. Un petit village d'irréductible Gaulois résiste toujours à l'envahisseur. Et la vie des garnisons des légionnaires dans les camps fortifiés environnants n'est pas toujours facile. D'accord, comme si on le savait pas. Mais oui, donc on est dans le monde Astérix, on est toujours dans notre village, camp fortifié, machin, truc. Ouais. Alors, j'attends. Ouais. Alors, Astérix ou Obélix, on va prendre Astérix pour être très original. On choisit entre les deux personnages. Alors, début d'histoire. Non. D'accord, c'était juste une image. Niveau 1, hutte 0, pièce 0. Une hutte, je sais pas ce que c'est. Alors, voilà. On a notre petit Astérix. On peut sauter, on peut taper. Et on peut bouger. Donc, on va faire ça, les petites pièces. On peut monter sur les toits, mais je sais pas à quoi ça sert. Alors, toi, t'es... Ah, mais ça rappelle le coup du menhir. En fait, où c'est qu'il y a le soldat justement qui se déguise en tronc d'arbre. Voilà. La série, c'est le coup du menhir. Quand il y avait le druide qui se reprenait un coup de menhir et que du coup il avait tout oublié. Et le soldat, il subissait plein d'expériences. Voilà. Donc ils ont réutilisé ce personnage. Ah bah voilà, c'est la fin du niveau. On boit la potion magique. Ouh, voilà. Fin du niveau. Prochain niveau, bah on va rester sur du Astérix. Voilà. Alors, niveau 1, hutte 1, une pièce 1. D'accord. Je sais pas ce que c'est. Alors là, il y a une potion. Est-ce que c'est une fin de niveau? Non. Non, c'est une potion. Ah, c'est peut-être des munitions. J'ai pas essayé la touche. Voilà. La touche de tir, en fait. Trouver une touche de tir sur Astérix. Hop. En fait, c'est des munitions. Là, j'en ai plus. Alors, enfin, je me batte. Vous voyez en bas à droite, c'est les munitions. Et ça doit être d'autres munitions. Hop. Des nuages, des trucs qui font boum. Ouais. Fais attention, plein de poissons. Ah, il me touche. Hop. Temps écoulé. Non, c'est sérieux, et en plus il y avait du temps. Bon, et ben il faut que je me dépêche, de toute évidence. Allez. On va y retourner. un petit peu malade aujourd'hui. Mais je sais, ma vie est très passionnante. Allez, c'est parti. Alors maintenant, on sait ce qu'il faut faire. Ça va aller plus vite. Voilà. Ah, toujours le poisson qui me touche. Mais... Ouais. Ouais. Ah, le truc blanc, regardez. Ça fait un nuage. Ah, et on peut monter dessus. Lol. Je sais pas à quoi ça va servir. J'aimerais bien monter là-haut par... Ah mais par contre, ouais, comment je fais pour faire des nuages par contre là? J'aimerais bien faire des nuages, comme tout à l'heure. Est-ce que je peux sauter sur le poisson? Non, ça a pas l'air de... Non. Regardez, ah non, ah non, y'a rien, ça marche pas. Alors niveau 1, une pièce... 1, pièce 1, on a encore de la vie, je sais pas. Ah oui, on a encore une vie. On a cette petite aide Astérix avec le chiffre à côté, je pense que c'est le nombre de vies qu'on a. Hop là. Alors là maintenant on a compris comment ça marchait. Ah! Hop. Je vais essayer de récupérer les nuages. Ouais, ces nuages là. Ah! Voilà. On va essayer d'utiliser le nuage directement ici. Voilà. Voilà, ah c'est bon, j'ai passé. Wouh. Ouais.
Donc j'ai appuyé sur un bouton sans faire vouloir exprès. Voilà, la potion verte est là. Et on a fini le niveau, il restait 2 secondes. C'est pas allé loin. Allez, on continue notre aventure magique. Toujours avec Astérix, apparemment on s'en sort bien avec lui. Allez, ce que je vais faire ce niveau, je vais vous le laisser en mode... En mode gameplay, je vais pas commenter. On se retrouve dans juste quelques minutes. Je pense que on va galérer vu la complexité que c'est en train de prendre. Voilà, j'ai perdu. En plus, je continue. Allez, je vous laisse 2-3 minutes de gameplay. Et nous revoici dans ce niveau qui nous donne du fil à retordre. Putain, il y a des trucs de partout. Heureusement que on meurt pas trop vite. Si on mourait à chaque fois qu'on prend un coup, ce serait vraiment horrible. Faut que je fasse attention là parce que la plateforme tout à l'heure elle m'a eu. Quand je suis tombé à travers. Bizarrement, en étant accroupi dessus, je suis passé à travers. Il y a des trucs qui tombent. On va les laisser tomber. Voilà. Alors là, les plateformes qui vont monter quand je vais y aller. On va y aller comme ça. Vite. Ah, ils m'ont touché quand même. Je pouvais pas aller plus vite. Si j'avais sauté, je me le prenais. Et là, par contre, je sais pas quoi faire. Et ça me saoule, voilà. Ça fait plusieurs fois qu'on est là. Donc, on va s'arrêter là. Désolé. Ce sera tout donc pour Asterix and the Great Rescue, qui me semble bien difficile.
Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.